bless you richly. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. God bless. God bless all of you. Amen. Let us clap our hands. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui aime. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. C'est Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui aime. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. C'est Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Il y a quelqu'un qui sauve. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé, c'est Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé, il y a quelqu'un qui sauve. Il y a quelqu'un qui m'a sauvé, c'est Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a guéri, il y a quelqu'un qui guérit. Il y a quelqu'un qui m'a guéri, c'est and heart attack. J'ai souffert pendant 40 ans avec l'esprit de gastrite. Amen. 40 years. Pendant 40 ans. Since I was 10 years. Depuis que j'étais à l'âge de 10 ans. Amen. Amen. Now I'm 50 years. Je suis à l'âge de 50 ans. God healed me. Après 40 ans. Amen. 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 I think even my mom, I have to call her mama. I'm healed. Je pense même à maman, je dois l'appeler. Maman, je suis guéri. 40 years. J'ai beaucoup souffert. Amen. 40 ans. Amen. 40 years. 40 ans. Amen. Amen. I thank God. Je remercie Amen. Dieu. You know, Amen. When God gives you a gift, vous savez quand Dieu vous donne un don, it's not for you. Ce n'est pas pour vous. It's for other people. C'est pour d'autres personnes. I always pray in God. J'ai toujours prié Dieu. You use me for other people. Tu m'utilises. Amen. Genre. You use me for other people. Tu m'utilises pour d'autres gens. Des raisons. Il est ressuscité, il revient dans la vie. Le cancer guéri. The HIV. Sida guéri. Blood pressure. L'hypertension. Me, I'm suffering like this. Amen. Moi, je souffre comme ça. Amen. Amen. Because the gift is for other people. Parce que le don que Dieu m'a accordé, c'est pour d'autres gens. He sent also
C'est pour cela que Dieu a utilisé aussi son serviteur. Et il a prié pour moi. Et amen. Je suis guéri. Amen. Et t'as travaillé. Acclamons pour le Seigneur. Où est maman Ariette? Où est maman Ariette? Ah, she said also God is something for her. Amen. Elle a dit aussi que Dieu a fait quelque chose pour elle. And God did a lot of things. Amen. Et Dieu a fait beaucoup de choses. Sister Christine also, you know, she was about to be at court, but after Sunday, God resolved the issues. Ne? Start now, let us clap our hands. Sœur Christine, when there is anointing, when there is the anointing the church, you have to use it. Amen. Je vous ai toujours dit, quand il y a l'onction, amen, vous devez l'utiliser. I thank God for Pastor Philip and Brother Enoch. Amen. Je remercie Dieu pour Pasteur Philippe et Frère Enoch. You know when I said pray for me? Vous savez quand je l'ai dit de prier pour moi? God used Brother Enoch. You saw he moved there again, ne? Who saw it? Is in the video. Il a dit Frère Enoch. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il s'est déplacé. He came to prophesy. Il est venu prophétiser. Non. This man, they shoot him here. Vous savez cet homme, on l'a tiré au niveau de la poitrine ici. Hey, il est ici. Amen. C'était là, oui. Since 10 years, only problem was here. Amen. À 10 ans, à l'âge de 10 ans, c'était toujours là, là, il y avait le problème. Des bouletiers, des bouletiers. Il dit, il y a un boulette là-bas. Boulette. Une balle. Amen. Amen. That you see, I say this God. Amen. C'est pour cela, vous avez vu, j'ai dit, c'est ça. The prophecy, we have to judge it. Amen. When that prophecy came out, they said, this God. Amen. La prophétie, nous devons vraiment juger cela. Amen. La prophétie sort, nous devons juger cela. I never condemned the problem of my chest. Amen. Je n'ai jamais dit mon amen problème de ma poitrine. You understand? Amen. When there is a prophecy, quand il y a une prophétie, or revelation, ou la révélation, you must believe it. Vous devez croire. Otherwise, it's not going to work. Sinon, ça ne va pas amen travailler. Amen. It's not going to work. Ça ne va pas travailler. I believe it. Moi, j'ai cru cela. All this week, toute cette semaine, the thing becomes so worse. C'était devenu plus. Amen. Amen. I told Satan, they prayed for me, I believe. Amen. J'ai dit à Satan, on a prié pour moi, je crois. You see Satan, eh? Vous voyez Satan? Me, when the man said, God, I'm healed. Amen. Car on a prié pour moi, j'ai dit, Dieu, je suis guéri. I said, Satan came. Amen. Amen. The thing came worse here in my chest. Hallelujah. Ah, Satan est venu encore. C'était I encore said, plus. I'm healed. Amen. You must believe. That's a prayer. Believe. Amen. J'ai confessé que je suis guéri. Amen. Après la prière, même si c'est une prophétie, you believe. Yeah. Même si c'est une prophétie, I don't want to go to happen. Sinon, ça ne va pas s'arrêter. All this week, they become so hard, so hot here. You know, ne? Hot like it's burning. Toute cette semaine, je sentais une alléluia dans ma poitrine. Because I'm the man of faith. Parce que je suis un homme de foi. And I continue to believe. Et je continue à croire. I'm telling you, it's gone. Hallelujah. Je vous dis, c'est parti. And I'm going to call my mom. Say, Mama Véronique, I'm healed. Hallelujah. Et je vais appeler Mama Véronique. Hallelujah. Je suis guéri. Amen. Amen. I'm telling you the truth. Je vous dis la vérité. God is alive. Dieu est vivant. Amen. 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 Something started. Amen. Quelque chose a déjà commencé. Amen. Dans cette église. As I told you, amen. Je vous ai dit. I'm telling you, ne? Je vous dis. Ah, there's the people that are seeing the dreams here. They told me also a lot. Amen. Il y a des gens qui voient aussi les rêves, mais disent aussi beaucoup. You know, God started to open the gift in this church. Vous savez, Dieu a commencé déjà à ouvrir les dons dans cette église. Especially the dreams. Particulièrement. You know, this man is a gift. Vous savez, cet homme, c'est un don. And two sisters in this church. Et des frères dans cette église. I'm going to name them. Amen. They tell them some things. And it's happened. Amen. Si ils me disent quelque chose. Hallelujah. Amen. We have the gift here. Nous avons les dons. What do you see our sisters? J'ai utilisé nos sœurs. And Brother Moses. Let us clap for Brother Moses is there among of us. Frère Moïse est au milieu de nous. What is your wife? Pour lui. Her church is there. Où est ma femme? On s'est racheté là. You remember that Moses, Brother Moses is supposed to die that day. Vous vous rappelez, Frère Moïse, c'est vrai mourir. And I was preaching here. Et j'ai prêché ce qui était là. They found that it's dying. Ils ont appelé. It's on way. Il est entré, il est inconscient. C'est ce qu'ils ont dit. When they come to cut me, I was preaching. Cut him, no, pastor. They say Moses died there. Frère Dixon est venu m'arrêter ici. Alors, on m'a dit, Frère Moïse est en train de mourir. Tout le monde est surpris. Et j'ai arrêté. Let us pray for Brother Moses, he's dying there. Et j'ai dit, prions pour Frère Moïse. Your God made a way, Brother Moses. You can set up, let us come on. Votre Dieu a pourvu un moyen. Frère Moïse, amen. 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 Amen.
Amen. He told me that there was a prophecy from Kasai. It was the witch who was looking for to kill him. You see? Il m'a dit, il y avait un prophétie qui était sorti là chez nous au Kasai. Amen. C'était le sorcier bah, qui cherchait à les faire. Amen. Mais ils ont échoué. Amen. Your God is powerful. Amen. Votre Dieu est puissant. Amen. Amen. His wife was in Zambia. Sa femme, son épouse était en Zambie. I went to collect her, but they told me she went. She's there. Send up. Send her welcome. Elle est là. God bless you. Amen. Vous pouvez vous tenir devant la chaise. Amen. Bienvenue. Alléluia. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur. Now, we could lose our brother. Nous devrions perdre notre fête. The God of Branham is alive. Le Dieu de William Branham en tout est vivant. Amen. Amen. Today, aujourd'hui, the God who healed me. Le Dieu qui m'a guéri. With Maman yet. Qui a guéri Maman yet. Who did something for Sister Christine. Le Dieu qui a fait quelque chose pour Sister Christine. The God with Brother Moses. Le Dieu qui a guéri Frère Moïse. He has put something for you also. Il a fait quelque chose pour vous. Listen. Écoutez. Brother Branham says. Frère Branham. And God did something. Si Dieu fait quelque chose. Even if it's little. Même si c'est il est fait tout à quel. Il va croire qu'il va faire encore. Amen. Amen. Anointing is here. L'onction est ici. Brother Branham says. Frère Branham dit. This pillar of fire. Cette colonne de feu. Came back in the church. Elle est tournée à l'église. To vindicate the word of God. Pour confirmer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Today. Aujourd'hui. If you want to see the church. Si vous voulez voir l'église. That there is the Holy Spirit. Il y a le Saint-Esprit. You want to see the presence of Holy. Holy. The pillar of fire among of you. Vous devez voir la présence de colonne de feu. The pillar of fire among of you. Et la colonne de feu. Is anointing among of you. C'est l'onction. Alléluia. Amen. Listen. Écoutez. Is the anointing making difference. Amen. C'est l'onction qui fait la différence. It's only anointing to make difference. Amen. C'est seulement l'onction qui fait la différence. You can be all of you the apostles. Vous pouvez être tous les apôtres. All of you be the pastors. Vous pouvez être tous les pastors. All of you be evangelists. Vous pouvez être tous les évangélistes. All of you be the prophets. Vous pouvez être tous les prophètes. All of you the what again? The teacher. Vous pouvez être tous les enseignants. It's only anointing to make difference. Amen. C'est seulement l'onction qui fait la différence. Alléluia. Was like all the Jewish people. Était comme tous les Juifs. Like all Israelite people. Comme les Israélites. But when the anointing came upon him, mais quand la colonne de feu descendit, he came above them. Alléluia. Il est venu au-dessus d'eux. Jesus. Même Jésus. Was going to the church every day. Il partait à l'église. Every day Jesus was going to church. Tous les Juifs partaient. He was sitting like this. Il s'était assis. Reading the Bible. Lisant la Bible. Luke chapter 4. Amen. Jesus was sitting like you. Jésus était assis comme vous. I think it's Matthew chapter 4. Amen. Je pense à Matthieu 4. But one day, un jour, the anointing came upon him. L'onction est venue sur lui. They were giving him every time the same book. Amen. On lui donnait à tous les moments les mêmes livres. He could read every time. Il pouvait lire à tout moment. Nothing. Alléluia. But one day, mais un jour, they gave him the book. On lui a donné le book. Where it was written about Isaiah chapter 61. Là où c'était écrit Isaïe 61. Jesus had to read that verse. Jésus a commencé. He said now. Il a dit maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. This promise. Cette promesse. Is fulfilled. Est accomplie. Alléluia. Amen. The anointed spirit of God is upon me. L'onction, l'esprit de Dieu. He anointed me. Ça m'a to deliver the people. Amen. Pour délivrer les you gens. You know that verse, né? Vous savez ce when verset? When he took that verse that day, quand il a pris ce verset, and read it, et il a he said today, il a dit aujourd'hui, this prophecy is fulfilled. Alléluia. It means what? Ça signifie quoi? The anointing of that day, l'onction de ce jour-là, it was according to that prophecy. Alléluia. Et selon cette and prophétie. It has changed. Amen. Et les choses étaient changées. And the things had to change. Amen. Et les choses ont alléluia. Amen. It's the same. C'est la même I'm chose. Telling you, je vous dis, the anointing, l'onction, is here among us. Amen. Et de and today, mais aujourd'hui, if you are connected, si vous êtes connecté, this anointing, avec is going to bless you. Ça va vous deliver you. It's going to make a way for you. Amen. Ça va vous délivrer. Ça va vous alléluia. Pour vous. Amen. Be like me, my brother. Soyez comme moi. Me when I believe, quand je alléluia. Amen. Even if it becomes worse, même si ça alléluia. Amen. When brother Anthony believes, it's finished. You know it, né? Quand frère Antoine croit, c'est fini. Even I always tell you, you know me. When I say I believe, amen. Je vous ai toujours dit, vous me connaissez. Quand je dis je crois. They prayed for me since 40 years, amen. Imaginez-vous, on a prié pour moi pendant 40 ans. I was only doubting sometime. Je priais à un certain moment. But when they prayed for me Sunday here, mais quand on a prié pour moi dimanche, je crie. I said whatever, this is the last one. Hallelujah. Je dis n'importe quoi, ça c'est la dernière fois. And I'm telling you I'm healed, amen. Je vous dis je suis guéri. That's the way to believe something, amen. C'est ça la façon de faire quelque chose. Amen. Aujourd'hui, as I told you. I can't again preach the past God. Amen. Je ne peux pas never prêcher encore les dieux de ta part. All the future God. Oui, les dieux de ta part. All the God who did something yesterday. Où les dieux qui a fait quelque chose. All the something Sunday. Où dimanche. That is history. Amen. Ça, I have to preach to the present tense. J'aime pour prêcher les dieux présents. The God present. Amen. Les dieux de ta présent. Because God says. Parce que Dieu a dit. I'm
Jésus. His ministry is always among of his people. Il est toujours au milieu de ses peuples. He is fulfilling his word which he said. Il accomplit ses paroles. Wherever two or three are gathered in my name, si deux ou trois sont rassemblés en mon nom, I shall be among of them. Je serai au milieu d'eux. Now we are gathering in the name of Jesus. Maintenant nous sommes réunis au nom de Jésus. That promise, I will fulfill it. Amen. Jesus is ready here. Amen. Déjà the people of fire is ready here. Amen. Anointing is ready here. Amen. To do something. Amen. Quelque chose. Brother Branham says, always, toujours, the power of God is coming down. La puissance but the people don't have the faith to catch that power. Mais les n'ont pas la foi. God used brother, sister Naomi in this church. God used our sister Naomi here. Jet, please, you remember this, every time we are gathered here, à tout moment quand nous sommes ici. It's a prophecy here, you remember that? The prophecy said what? I always coming down. Amen. La prophétie a dit quoi? J'ai toujours descendu. The spirit of fire always coming down. La colonne de feu descend toujours. But the people are not ready to take advantage. Alléluia. Ils ne sont pas prêts pour en profiter. And others they have the sin. That's the problem. Et les autres ont les péchés. And others they don't have. They are not aware to take advantage. Something, amen. Les autres ne sont pas conscients. My brother, my sister, as I'm telling you, the people of fire is here. Amen. La colonne de feu. Hallelujah. Amen. We came to pray here all the night. Nous sommes venus prier ici toute la nuit. We said, Lord, do something today for your people. Seigneur, aujourd'hui, I'm telling you, je vous dis, today, aujourd'hui, Jesus Christ, Jésus-Christ, is in the present tense. Est dans le temps présent. Amen. Amen. It's no more time. There's no more time. Il n'y a plus encore de temps. The rapture is closed now. L'enlèvement est prêt. But the Bible says, mais la Bible dit, the nature has to see the manifestation of the Son of God. La nature doit voir la manifestation des fils de Dieu. Is this time? Si c'est temps. This time. C'est temps. The nature. La nature. Is looking for. Est en train de chercher. The manifestation. De voir la manifestation. Of the sons of God. Des fils de Dieu. And the daughter of God. Et les fils de Dieu. Who are the sons of God? Vous êtes le fils de Dieu. Who are the sons of God? Où sont les fils de Dieu? Is the Christ today? C'est Christ aujourd'hui. Is the Christ manifested? C'est Christ manifesté. In the form of my sister. Dans la forme de ma sœur. In the form of my brother. Sous forme de mon frère. If I'm looking for the rain. Si je cherche la pluie. I can't say God give me. I come to see God in the human being. Je ne peux pas dire Dieu accorde-moi la pluie. Je viendrai voir Dieu dans la forme humaine. My brother, I'm looking for the rain. Mon frère, je cherche la pluie. Oh, receive it in Jesus Christ. Reçois la pluie au nom de Jésus. Amen. And the rain come down. Et la pluie commence à tomber. Amen. Amen. This is the time we are living now. C'est ça le temps que nous vivons. You are sick. Tu es malade. Alléluia. Amen. You have HIV. Tu as le sida. You have cancer. Tu as le cancer. Diabetic. Diabète. High pressure. High pressure. You say, my brother, I'm sick. Tu dis, mon frère, je suis malade. I say, it's a demon. Je dis, c'est le démon. You demon, get out of Jesus Christ now. Tu as le démon, sort. Et donc, I'm healed. Alléluia. Et tu commences à sursauter. This is this time now. C'est ça le temps. This is our time. C'est ça notre temps. Alléluia. This time. C'est ça. Is the time. C'est le temps que Dieu a versé 100% de son onction. Abraham was looking for to live this time. Cherchez pour vivre ce temps. Peter and Paul, Pierre et Paul, they were looking for to live this time. Cherchez aussi pour vivre ce temps. The people of fire is 100% in the church. La colonne, c'est le temps. Hallelujah. My brother, my sister, 100%. Something to change. Mon frère, ma sœur, quelque chose. Amen. Amen. Don't hope something. N'espérez pas quelque chose. You got it already. Vous l'avez déjà. Amen. Amen. You got it. Vous l'avez déjà. When you died on the cross, Jésus était mort à la croix. And you received it when you died. Et vous l'avez déjà reçu. Now it's you to accept it and confess it. Alléluia. C'est le mal que vous puissiez accepter. Amen. Et confesser. This is the time. C'est le temps. To confess. De confesser. To accept. D'accepter. To praise God. De louer Dieu. For what he did for you. Et pour ce qu'il a fait pour vous. Alléluia. Amen. There's nothing that was not done. At the cross, amen. Il n'y a aucune chose qui n'a jamais été faite à la croix. I'm telling you, my brother, my sister. Je vous dis, mon frère, ma soeur. Everything was done in the cross. Toutes choses étaient accomplies à la croix. It's up to you now. Mais c'est à toi. Alléluia. Amen. Oh Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen. 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 Je prie. I'm not going to preach today. 30 minutes. I have to preach less than 30 minutes. Aujourd'hui, je ne prêcherai pas pendant 30 minutes. Je prêcherai moins de 30 minutes. I'll see my office. There's only something we have to talk and we'll pray. Amen. Il y aura seulement quelque chose. Je verrai dans mon bureau quelque chose. Madame says, testimonies sont importantes. Les témoignages sont très importants. One testimony. Un témoignage. Can convert 40,000 people. Peut convertir 4,000 personnes. Graham says. Frère Branham dit. I went to Durban. Je suis parti à Durban. One Indian was with
with the short leg. You know the story, né? Un Indien avait un problème de la jambe coupée. It's because of the testimony of that Indian guy in heaven. À cause de ce témoignage-là d'un Indien. 30,000 Zulus and other people were converted. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été convertis. Amen. Amen. The testimony. Amen. Amen. Provoke something. Amen. Le témoignage provoque quelque chose. I was telling you. Je vous ai toujours dit. When that sister, when we prayed for that brother was problem there. With the sister Mary and Moses there, I saw the sisters, even brother Mark, he was healed, he was translating me, he was broken, was driven. Mark was with a problem because of the testimony of that brother. Mark was healed. You know the story of brother Mark. Je vous ai toujours dit, le témoignage d'un frère là, quand on était encore de l'autre côté, Dieu avait utilisé frère Moïse, il avait donné la conduite. Et on a fait cela à cause de cela. Saint Marie et frère Moïse. Saint Marie et frère Moïse. Amen. Et à cause de ce témoignage-là, même frère, notre, qui est encore, Marc, il avait connu un accident avec la moto. Mais à cause de cette onction-là, il est testimony. Il will was healed. One sister, the light one, healed. The other people healing only like this because of testimony. They saw somebody. Trap on hit on the spot. All of them in the church were falling. The people start to cry in the church. They were healed. That many testimony. Sister Anne come to testify. Amen. Amen. Quand ils avaient vu la personne qui avait la difficulté de marcher, commencer à marcher, amen. Déjà était guéri. Alléluia. Témoignage là. Amen. I say, we need testimony. Our sister have to testify. If you have a testimony, come testify. Nous avons besoin de témoignages. Notre sœur doit témoigner. Amen. Si vous avez un témoignage, vous pouvez lui témoigner. Amen. Amen. Moi, vous connaissez, je peux donner même un témoignage. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Je vais remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. I would like to thank Lord Jesus for what he did in my life. C'était quelque chose d'impossible, mais Dieu l'a rendu possible. It was something very possible, but God made it possible. C'est pour cela que je voulais le témoigner. That's why I want to testify. C'était l'année passée. It was last year. J'avais un problème de fibrom. I was having a problem for fibrom. C'était commencé depuis 2012. Quand j'ai eu mon fils, on a enlevé ça. It was started in 2012 when I had my son and they took it out. Alors en 2022, ça a repris encore, ça a grandi. In 2022, it started again. Et l'année passée, quand je suis allé chez lui, on a dit non, il faut qu'on enlève la matrice, c'est beaucoup. And last year, when I went for checkup, the physician told me they have to move the womb because it's too much now. J'ai appelé le pasteur. I called the pastor. Il a prié pour moi. He prayed for me. J'ai continué à croire que je suis guéri. I started believing that I'm healed. J'ai dit au Seigneur, moi je ne veux pas l'opération. I spoke to the Lord Jesus Christ, Lord, I don't need operation. Le jour que le pasteur du Plateau et pasteur Morocco est venu, the day that the pastor from Victoria, Morocco, John Morocco came, il a donné des témoignages de personnes qui devaient être opérées du rein. He testified for people who should be operated for kidney problem. On avait cancellé cette opération. And that operation was canceled. Amen. Seigneur, je cancelle aussi mon opération. I talked to myself, Lord, I cancel also my operation. Amen. Alors le dimanche passé, on a prié aussi. Last Sunday, we prayed as well. Le vendredi. Friday. J'ai vu les fibromes me sortir. I saw that fibrom coming out. Hallelujah! You move mountains, you cause walls to fall. There is nothing that is impossible. Since I'm standing here, because we make him a way. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Thank you, Seigneur Jesus. Amen.
Le Dieu qui guérit les vibrons. The God who can heal vibrons. Si tu as les vibrons aujourd'hui, ça passe en Jésus Christ. If you have vibrons today, they must be healed in the name of Jesus Christ. Dieu ne peut pas faire pour la sœur et n'est pas faire pour. God cannot make for his sister and not doing it for you as well. Tu avais des problèmes mettre le monde avant des vibrons. Les mêmes Dieu dans la chair pour toi en Jésus Christ. Alléluia. You are having a problem to give birth because of vibrons. And God has to do for you as well. Thank you, Jesus. 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 Alleluia. Alleluia. Thank you, Jesus. 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 Alleluia. Alleluia. Nothing is impossible to God. Amen. Amen. Nothing is impossible to God. Okay, the show is impossible. Croyez seulement. Alléluia. Amen. Oh, qui bénit. Alléluia. Oh, oh,
Ça va augmenter sa foi. I read it always, né? J'ai toujours lu ça. I said that the faith is your own experience. Frère Branham dit, la foi c'est votre expérience personnelle. On your own experience. Pas que on m'a dit non, votre expérience. Amen. La foi, amen. Faith is a revelation. La foi c'est une révélation. It reveals your own experience with God. La révélation c'est votre expérience personnelle avec Dieu. It's your own testimony. Amen. C'est votre propre témoignage. Now, sister, you know we prayed here for blood pressure that things here. God healed on the spot. You remember that? That day. She testified. Vous vous rappelez ma sœur, on a prié pour lui. On est sur tentation. Now the fibron is out now. Second testimony, greatest one. Amen. Do you want to believe this? Next time she's going to put out. So sorry. She can't. She was out. Otherwise, with the blood pressure, all it was so hot. My leg, my body, it was like a gastric and high pressure. We prayed that she was healed. She said fine. Now it's a fibroid come out. Now she's healed. Next time, there's no doubt in here. Amen. Non. Vous savez, non, ah, elle souffrait de l'hypertension, elle sentait la chaleur. Why you see that Antoine avoid the fear? I got a lot of experience. Pourquoi vous voyez Frère Antoine avec la foi? Parce que je vois bien. That you see the thing going hell or not, me I'm quiet. C'est pour cela que vous voyez bouger à gauche, à droite. Unless I have a sin, I have to repent. Au moins si j'ai péché, je vais répondre. But if I check my life, there's no sin. Mais si je vais vivre ma vie, I'm quiet. You can insult me. You can do whatever. You insult me. Never change. Je suis tranquille. Vous pouvez me critiquer, mais si vous vous verrez Antoine. I'm telling you. Amen. Me, when I check my life, there's nothing. Even if you criticize me, you insult me, you do whatever. You destroy my life. I'm telling you, I'm stable. I can't change. I will stand up off the wind. Quand je vais vivre ma vie, vous pouvez me critiquer, m'insulter, tu es mon influence. Ce n'est pas un problème. Alleluia. Je suis stable. Alleluia. Amen. That's fair. C'est ça la foi. Faith is experience. La foi, c'est une expérience. C'est un testimony. C'est un témoignage. Now you heard, né? Et maintenant, vous avez compris le témoignage. Romans chapter 10, say what? Romains 10 dit quoi? The faith come by him. La foi vient de ce qu'on attend. Now you hear the testimony. Maintenant, vous avez entendu le témoignage. Now, also for your problem. Alleluia. Maintenant, ayez la foi, c'est votre problème. You only hear the testimony. Get also faith for your problem. Alleluia. Amen. Quand vous entendez le témoignage, et aussi la foi pour votre problème. Amen. Amen. I'm telling you. Je vous dis. God's going to tell a lot. Dieu fera beaucoup d'histoires. Amen. Amen. Alleluia. Amen. I was telling you that you're going to buy what? Yes, my brother. Testimony. Frère Pax, okay, we are going to Frère Pax. Today is testimony day. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour. C'est une journée de témoignage aujourd'hui. Acclamons le Seigneur pour le témoignage. Frère Pax va témoigner aussi pour la gloire du Seigneur. Amen, amen.
Dieu vous bénisse. Amen. May God bless you, church. Amen. Je vais faire ce témoignage. Amen. I do this testimony. Je sais que ça va aider l'église pour augmenter la confiance pour ceux qui viennent ici. Amen. I know it's going to boost the church to get confidence for this ministry that God bless here. Amen. Vous savez, le fait qu'il y a prêché ici, dimanche passé, vous savez, you know, the brother who preached here last Sunday, c'est mon ami. He is my friend. He's a friend of mine. C'est son père qui lui a mis en contact avec moi. It's his father who put him in contact or in touch with me. Son père a vu que si on se met ensemble, ça va nous aider tous deux. His father discovered that if we can be together, it's going to help us a lot. Okay. Mais après que on s'est mis en contact, on est devenu des vrais amis. But after we got in touch and we became the real friends, et depuis là, lui aussi a commencé à me mettre en contact avec des bonnes personnes. And from that time, he started to put me also in touch or in contact with good people. Alors, c'était un jour là, j'étais en train de prier. One day I was busy praying. Après la prière, after praying, j'ai ouvert mon téléphone. I just switched on my phone. Le frère ici qui a prêché m'a envoyé un numéro. This brother who just preached last Sunday sent me a number. Je ne connais pas la personne. I don't know the person. Je l'ai appelé, je lui dis que c'est le frère, c'est le pasteur Sissoko qui m'a donné ton numéro. I just called him and then I explained to him he's a pastor Philippe who gave me your phone number. Il a aussi un don prophétique. Sorry. Il a aussi un don. He has also a prophetic gift. Alors quand nous parlions, when we're talking, j'ai fait ce témoignage pour vous dire que Dieu connaît cette église. I want just to give you this testimony to let you know that God knows this church. Quand nous parlons, when we're talking, il a vu cette église. He saw this church. Il a vu ce qui s'est passé. He saw what happened. Il a vu ce qui est présent. He saw what is present. Il a aussi vu le futur. And he saw the future of this church. Il a vu les ministères. And he saw the ministry of the pastor. Alors moi je me suis dit que non, je dois vous mettre en contact avec le pasteur. And I just said myself, I have to put you in contact with the pastor. Je peux pas tout dire. Because I can't say everything. Mais je vais vous dire quelque chose. But I will tell you something. Moi je n'étais pas ici, ce qui s'était passé quand il y avait ce que vous connaissez déjà. I was not here about what happened or what you know. Je vais vous dire quelque chose, il y a une gloire qui attend cette église. I'm telling you, there is a glory, big glory waiting for this church. Dieu va restaurer la puissance à cette église. God is going to restore the power in this church, the manner that you never experienced before. Et ça c'est moi, j'ai fini par comprendre peut-être c'est pourquoi Dieu m'a amené ici. It's myself, I've just discovered and understood this, that's why God brought me here. Vous allez voir beaucoup. Peut-être pas des Congolais, vous allez voir des Sud-Africains, des Malawites, des étrangers venir. You will see not only Congolese, people of all tribes, Malawites, and even Pakistan, South African guys, there will be a plenty of them. Les conseils que je vais vous donner, the advice that I can give to you, soutenez ce ministère. Just support this ministry. Un jour, je ne sais pas si c'était une vision ou si c'était un songe. I don't know. One day, I don't know, was it a vision or a dream? C'était un matin. It was in the morning. J'étais à la maison. I was at home. Je me suis retrouvé ici. I find myself here. J'ai entendu une voix me dire. I heard a voice telling me que vous ne soutenez pas le ministère du pasteur. You don't support the ministry of the pastor. Vous ne payez pas les dîmes. And don't pay tithe. Dieu m'a dit qu'il n'y a que deux personnes qui payent les dîmes. God spoke to me only two persons who are paying tithe here. Je ne vais pas citer son nom, une personne ici, mais l'autre là je ne connais pas. I'm not going to name them. One person is here, another one don't know him. Soutenez ce ministère et Dieu va vous bénir parce qu'il y aura une gloire qui va venir. Support this ministry. God is going to bless you because there's a glory which is coming. Okay. May God bless you. Je voulais que Frère témoigne des témoins qui m'avaient parlé. Dieu a guéri la sœur des Vibrons, sont sortis. Dieu m'a guéri, Dieu a fait des choses. Le frère. Quand il était à Kinshasa, you can translate. Brother, when he was in Kinshasa, le frère quand il était à Kinshasa, he was so excited for the message. Il était trop excité du message. You know the people of the Kankar. Who knows the Kankar? Je connais local science. You know it. Is here in South Africa also, ne? Local science. Ils savent ces gens-là, des gens qui quittent des Kankar, ils marchent partout là. Ils sont là partout ici. Now he went to take the poster and destroy it. Ils ont pris les histoires là et lui a pris ça, il a détruit. Not that people defeat you.
Maintenant, ces gens-là l'ont défié, l'ont dit. Amen. Ce n'est pas que nous sommes les gens des sciences occultes, tu vas voir. And the brother, ils sont sick. So sick. Amen. Et le frère était tombé sérieusement malade. And I'm not going to tell the disease was. Je ne dirai pas la maladie. When he came to South Africa, quand il est venu sur l'Afrique du Sud, he came to. Il est venu lui-même s'est consacré, prier trois jours sans fois manger. Amen. Wow. I said, oh, this brother is a prayer man. J'ai dit, cet homme, il semble un homme de prière. After 3 days. Après trois jours. Fasting and prayer here. Je n'ai prié sans boire même côté. The brother was healed from that disease. Et le frère était guéri de cette maladie-là. Il n'avait pas bu même de Coca-Cola. Amen. Amen. You know, brother Alain, you know, he met. More than one man is at work. Vous savez, frère Alain, notre frère Alain, le leader de Kodim. Amen. Il a fait presque un mois. Il est toujours au travail. Il ne vient pas à l'église. Pastor, I think this is not the job from God. Lui-même a dit, Pasteur Antoine, le travail, si ça ne vient pas de Dieu. It was there's two sisters, Sister Anne. Anne, you know Sister Anne, eh? Not Anne Marie, Anne. Il y a des sœurs, pas sœur Anne Marie. You know, and sister from Zimbabwe, you know that sister, our sister. Yeah, she's là, here. Zimbabwe. I know she went, but she's coming. Elle est partie. Once I was with Vibran, she was with Vibran. Well, oh, elle avait aussi des fibromes, des choses pareilles. We prayed here. Nous and another prayed. One, jobless. Et l'autre sans le travail. And brother also problem of job. Et le frère aussi avait un travail, un problème du travail. I went to see them. Je suis parti les voir à Edenval. J'ai parlé avec eux. And they decided to come to pray at night here. Et il a décidé de venir. All of them pray. Oh, ils ont décidé de venir prier la nuit ici. Because you know me, it was Saturday. Me, I'm coming to sleep to pray all the night here. Vous savez comme c'était le samedi. D'habitude le samedi, je viens prier toute la nuit entière. I was with Daniel and David. We prayed here. J'étais avec frère David et Daniel ici. Now them they were also here. Et eux aussi étaient là. Now I went to my office. Je suis parti dans mon bureau. I'm telling you, je vous dis, I heard Sister Anne pray all the night here. J'ai écouté la sœur là Anne en train de prier toute la nuit. And Sister Margaret, hein? Margaret. Et sœur Margaret. And brother Alain. Et frère Alain aussi. Was only here. Était ici. You know what? Vous savez on quoi? Monday, le lundi, Sister was healed from fibro. Amen. La sœur était guérie de fibro. Sister Margaret got a good job. La sœur Margaret a eu aussi le travail. And brother Alain got a job where he's working now. Oh. Amen. Alain a eu le travail là, travail maintenant. My brother, mon frère, Jesus is alive. Amen. Jésus est vivant. In this church, dans cette église, when you are coming here, quand vous venez ici, make in your mind. Mettez dans votre tête. Brother Andrew is only going to preach us. The God is going to help us in the future. No. Quand vous venez ici, mettez dans votre tête que Pasteur Antoine ne va pas nous prêcher le Dieu des temps futurs. Non. Oh God, who did Sunday? Who healed us Sunday? It's history already. Ou le Dieu qui nous a guéri le dimanche passé. Non. Amen. Ça c'est de l'histoire déjà. I'm going to tell you, God wants to do something again now for you. Amen. Je vais vous parler le Dieu qui va faire encore quelque chose pour vous. Amen. Amen. Can you give me 10-20 minutes? Pouvez-vous m'accorder 10 minutes, 20 minutes, 30 secondes? Je parle un peu de la parole de Dieu. I think that I'm going to do as I said. Then open the Bible. Exodus. Amen. Amen. Exodus. Chapter 14. Exodus, chapter 14. Amen. Amen. Exode 14, verset 15 et 16. Exode 14, verset 15 et 16. Amen. Amen. Go on your left hand side, left. Exodus 15. 14. 14. Verse 15 down to 16. Amen. Exode chapter 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Oh. Verse 15. Verse 15 and 16. Amen. And the Lord said unto Moses, wherefore Christ do unto me, speak unto the children of Israel, that they go forward. 16. But lift thou up thy rod, and stretch out thine hand
over the sea and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. 17. And I. No, no, it's finished. Okay. Heavenly Father. Lord, the Dieu Tout-Puissant. Help him to take short time. Aide-moi de prendre un temps court. Let your anointing come to do something. Laisse que ton onction vienne pour faire quelque chose. Lord Jesus Christ, amen. Pour ta gloire, au nom de Seigneur Jésus. Let me talk about something here. Laissez-moi parler sur quelque chose ici. Amen. Amen. Pourquoi Christ parle? Why Christ speak? Can you project it? Peux-tu projeter cela dans nous? Amen. Amen. Tu veux projeter? Can you project it, please? 1950. Le 4 octobre, 59 soir. Amen. 4 octobre 1959. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 4 octobre 1959 evening. Amen. Amen. Le 4 octobre 1959. Amen. Amen. Sorry. Come hold it, eh? I have to put the glasses. You have to start to support me now. Amen. 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 Yes. Okay. Do you find it? I want to take short time. Don't take my time. Brother, this is okay. We have passed the time. They're still learning, you know. 1959. 4 October. 4 October. Why? No, that one is the second. You keep this one also. We'll read also here. Yeah. But first, 59. That one for 59. 4 October 59. Okay, put in English paragraph 32 down to 35. Listen what Bram says. From 32 down to 35 in English. Amen. Okay. Maintenant, Moïse était appelé dans ce but. Now, Moses being called for this purpose. Mais il était un homme. But he was a man. Dieu l'a formé. God trained him. Pendant 80 ans. 80 years. Avant qu'il puisse l'utiliser. Amen. Before he ever was able to use him. 40 ans au palais. 40 years in the palace. Et 40 ans au désert. And 40 years in the wilderness. Dieu peut former un homme. God can train a man. Le prendre. Take him. Pendant 100 ans pour un travail de 30 minutes. 100 years for 30 minutes. When can you imagine? Dieu sait comment former. God knows how to train. Ce que les écoles avaient inculqué à Moïse. What the schools had put in Moses. Pendant 40 ans. 40 years. Il a fallu 40 ans pour le faire sortir. It taken 40 years to get it out. Mais une fois devant l'onction. Alléluia. But one time in the presence of the anointing. Alléluia. Une fois devant le buisson. One time in the presence of the burning bush. Il en savait plus sur Dieu que ce qu'il avait appris dans les livres pendant 80 années. He knew more about God than he had learned in books in the 80 years of his life. Dieu forme ses hommes. God trains his men. Puis les oint. Then anointed. Leur donne une expérience. Gives them experience. Les fait passer par une formation rigoureuse. Takes them through the rigid training. Par les salles de souffrance ardentes. Down through the sense of burning punishments. Des épreuves. Trying tests. Des tests. Il ne le fait pas seulement avec ses prophètes. Not only does he do that with his prophets. Il le fait aussi avec ses enfants. But he does it to his children. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié et éprouvé. Every son that comes to God must be chastened and tried. Testé au moyen de sa parole. Amen. Tested by his word. Les enfants d'Israël, can translate me. Children of Israel. You know the story. Vous connaissez l'histoire. God imit Abraham. J'ai rencontré Abraham. Alléluia. He says. Il a dit. Your offsprings. A descendant. Ta descendance. Amen. Amen. We go for 400 years in the foreign land. Iront pendant 400 dans des pays étrangers. After 400 years. Après 400. They have to come back in this land.
end. Amen. Et ils reviendront dans cette heure. Myself, I have to deliver them. Amen. Personnellement, je dois les délivrer. Now, after 400 years, mais après 400 ans, God was ready. J'ai été déjà prêt. Amen. Amen. In Israel. En Israël. But the people, they were not ready. Mais les gens n'étaient pas prêts. The Jews were not ready. Amen. Ils n'étaient pas prêts. But God was ready then. Mais Dieu était déjà prêt là. In the form of Moses. Dans la forme de Moïse. Amen. Amen. And God found that the way and believed people. Et Dieu a trouvé les incrédules. And he saw that Moses was looking for to deliver the people with his knowledge. Et il a découvert que Moïse voulait délivrer les peuples avec sa connaissance. Amen. Amen. That God sent him in the wilderness. C'est pour cela que Dieu lui avait envoyé dans le désert. To learn about God in the wilderness. Amen. Pour apprendre de Dieu dans le désert. He made 40 years to learn in palace. Il a fait 40 ans pour apprendre dans les palaces. And God used also 40 years to destroy that knowledge of palace. Amen. Et Dieu a utilisé aussi 40 ans pour détruire cette connaissance des palaces. It's not a problem. Ce n'est pas un problème. We need anointing. Nous avons besoin de l'onction. Alléluia. Amen. Despite. Malgré. Amen. Amen. God did. Ce que Dieu a fait. He took out all the things he knew in Egypt. Il lui a enlevé toutes choses qu'il connaissait. And he must get the anointing. Hallelujah. Pour avoir de l'onction. You can't work without anointing. Il ne peut pas travailler sans l'onction. The anointing is connected related to the commission. L'onction est connectée à la commission. That you have to do. Amen. C'est ce que vous devez faire. Amen. Amen. That God is supposed to anoint Moses. Amen. C'est là que devrait oindre Moïse. For the job. Amen. Pour un travail. Now, maintenant, when they anoint Moses, quand il a oint Moïse, they went out of Egypt. Ils sont sortis de l'Égypte. And they were before now the Red Sea. Mais ils étaient maintenant devant la mer Rouge. They forgot all the God did in Egypt. Ils ont oublié toutes choses. Even Moses himself started to strike. Mais Moïse lui-même a commencé à lutter. Alléluia. Amen. God says. J'ai dit. Moses. Moïse. I anointed you. J'étais ouais. I commissioned you. J'étais commissionné. Alléluia. Amen. Speak what you speak is myself. Amen. Parle seulement ce que tu vas parler. Do something is me. Amen. Fais quelque chose, c'est moi. My brother, my sister. Mon frère, ma sœur. It's only to speak. Amen. Il suffit seulement. If you are aware that you are commissioned by God and you are the son of God, daughter of God, you have to speak. Something is going to happen. Amen. Si vous êtes si vous connaissez que vous êtes un enfant de Dieu, une fille de Dieu, commissionnée de Dieu, vous devez seulement parler quelque chose. Amen. Ça va se passer. Can you project that? Pouvez-vous projeter cela? 63. Now you can read it here. It's here. Because it's short. It's only one page. 14 July 63. You read it here. Amen. You can project as you got it here. Amen. Give him the 14 July 1963. Why Christ speak? Dans la brochure. Pourquoi crier parle? In the brochure, why Christ speak? Précédé 14 juillet 63 matin. 14 July 1963. Paragraphe 77. Quotation 77. Un jour, pendant qu'il surveillait le troupeau, and one day, while attending the flock, il vit tout à coup un buisson ardent au sommet de la montagne qui brillait. All at once, he seen a burning bush up on top of the mountain burning. Il monta et n'était pas une chose intellectuelle ou une imagination. And he went up there and not an intellectual, not 77. A delusion. Une hallucination ou une illusion optique. Not a delusion or an optical illusion. Mais en lui. But in him, là se trouvait le Dieu. There was the God. Dieu d'Abraham dans une lumière. Of Abraham in a light. Une colonne de feu dans un buisson. A pillar of fire back in a bush. Ce feu s'en engageait sous forme d'ondulation. That fire like waves going out. Sans toutefois affecter le buisson. But he did not bother the bush. Et la voix de l'Écriture, la voix de Dieu. And the voice of the scripture, the voice of God. Lui parla à travers cela et lui dit. Spoke through her. Ces choses ont déjà des problèmes de plus en plus. Je t'ai choisi. I have chosen you. Amen. Amen. C'est toi l'homme. Je t'ai choisi dans ce dessein. You are the man. I raise you up. Amen. For this purpose. Alléluia. Amen. God said what? Je t'ai choisi. J'ai suscité dans ce dessein. Je teste dans ce dessein. Amen. Amen. Je te prouve ici. I'm proving to you here. Par des signes. By signs. Que tu vas aller délivrer les enfants d'Israël parce que ma parole doit s'accomplir.
You are going down to deliver the children because my word has got to be fulfilled. 78. 78. Oh, sa parole pour ce jour ici doit s'accomplir. Oh, his word of this day has got to be fulfilled. Nous vivons dans cette ère. We are living in the hour. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit. No matter what anyone else says. La parole de Dieu doit s'accomplir. Amen. Has to be fulfilled. Peu importe ce que quelqu'un dit. La parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. What anyone else says, the word of God has to be fulfilled. Personne ne va déranger ton destin. Alléluia. Personne. Grow your destiny. Ton destin, ça va s'accomplir. Destiny will be fulfilled. Malgré le problème que tu fais face. No matter what you face. Tu es malin pour ton destin. Personne ne va arrêter cela. Brother Branham said, your destiny no. Dans la main de Dieu, personne ne va déranger ça. Your life, nobody. Alléluia. Ils peuvent t'envoûter. They can bewitch you. Envoyer des maladies. Des problèmes. Problems. Mais ils ne dérangeront pas ton destin. They will never destroy. Ne sera jamais dérangé. Your destiny will never be never. Set. Never. Pour moi, ça ne sera jamais dérangé. Alléluia. Alléluia. Ta face s'accomplit. Les cieux et la terre passeront, mais pas sa parole. Amen. Alléluia. Heaven and earth will pass away, but not his word. 79. Eh bien, 70. Quand Moïse y réunit tous ces éléments pour détenir une vie ensemble. Now, when Moses got all this together. Cela oignit sa foi. And seen by every direction, it anointed his faith. Amen. Amen. Oh là là, quelle pensée. Oh my, what a thought. Le fait de voir ceci dans l'écriture qui indique exactement ce que c'était. Oh, itself seeing the scripture pointing right straight to what it was. Le fait que Dieu ait parlé. And the speaking of God. L'évidence de cela qui se trouvait là. And the evidence of it there. Tout cela oignit la foi qui était en lui pour se mettre au travail. It anointed what faith he had in him. Dieu te parle aussi aujourd'hui. God is speaking to you. L'onction est ici. The anointing is comme il avait parlé à Moïse. As he spoke to Moses. Et l'onction est venue sur Moïse. And the anointing came upon Moses. Et même Dieu te parle aujourd'hui, l'onction doit être sur toi. Alléluia. God is speaking to you today. The same anointing must be upon you as well. 80. Qu'est-ce que cela devrait nous faire? What ought it to do? Nous avons besoin d'une repentance. We need a repentance. Nous avons besoin d'un réveil. We need a revival. On va dire les chevaliers. Amen. Bram said, nous avons besoin d'un réveil. Brother Branham says, we need a revival. Je parle de moi. Voyez? I'm saying myself. J'ai besoin d'être secoué. I need a shaking. J'ai besoin de quelque chose. I need something. J'ai dit que je parlais de moi. I said I was speaking to myself. Ce matin ou à mon sujet, j'ai besoin d'être réveillé. All about myself, I need. Frère Branham dit que vous devrez chercher à être réveillé. Brother Branham says you must look to be awake. Pourquoi? Why? Beaucoup sont dorment, beaucoup dorment. Plenty of people are sleeping. Tu es ici assis. You are here assis. Je prêche la parole. I'm preaching the word. Tu sors ici. You go out. Tu écoutes la parole là. You are doubting the tu word. Tu n'es pas éveillé. You are not awake. Tu dors. You are sleeping. Branham dit que je cherche à te réveiller au devant de moi. Branham says, I want to be awake. Un homme réveillé quand on prêche, il croit et la chose s'accomplit. Someone is awake. When we are preaching, he believes and something happens. Do you believe it? Branham says, somebody awake. When we preach, something is going to happen. Hallelujah. Quelque chose doit se passer. Branham said that I want to be awake now. I want to be awake now. I want to be awake now. Hallelujah. Mais Branham dit, je vais être réveillé maintenant. You can be sitting there. Vous pouvez être but you are sleeping. Mais vous dormez. Not physically, but in your soul, in your heart, you are sleeping. Pas physiquement, mais dans votre âme, dans vos cœurs, vous dormez. You are looking to me. It's speaking the truth. But in your heart, you are sleeping. Vous me regardez, vous dites oui, c'est la vérité, il dit la vérité, mais dans votre cœur vous dormez. How can you know that you are sleeping? When you go out, you don't practice the word of God. Comment est-ce que nous pouvons découvrir que vous dormez? Quand vous sortez, vous ne pouvez pas parler. To know that you are awake, when you preach, that thing becomes your life. Amen. Pour savoir que vous êtes réveillé, quand nous prêchons, cette parole devient votre vie. Alléluia. Amen. 81. Et quand je pense à cette grande évidence, toi aussi parfaitement disposé. And when I think of that great evidence, everything so perfectly and cela oignit la foi de Moïse. And it anointed the faith of Moses. Oh là là, il vit qu'il n'y avait rien. My, see, there was nothing. Le voici qui s'enfuit d'Égypte. Here, he ran from Egypt. Alors qu'en fait, il aurait pu commencer une révolte, quelque chose comme cela. Actually, he could have started
mutiny or something. 83. Mais maintenant, but now, il revient 40 ans plus tard. Here he comes back 40 years later. Âgé de 80 ans. 80 years old. Avec seulement un bâton à la main. With only a stick in his hand. Pourquoi? Why? Parce que c'est ce qui brûlait au fond de son cœur était devenu une réalité. Amen. What was burning down in his heart had become a reality. Il était alors loin. He was anointed. Et il savait qu'il avait ainsi dit le Seigneur. He knew he had thus said the Lord. Rien n'allait donc l'arrêter. There was nothing going to stop him. Il n'avait pas besoin d'armée. He needed no army. Des états avec lui. God was with him. Dieu était avec lui. God was with him. C'est tout. Amen. C'est tout. Il avait besoin d'avoir Dieu avec lui. That's all he needed. God with him. He tried to do it with it because he was a soldier. I can deliver them because I'm a soldier. He failed. Il a essayé de faire avec sa propre connaissance. Alléluia. Et peut les délivrer comme je suis un soldat. Il a échoué. Et vous, nous, quand tu mets les rebelles, tu mets des armées outside and come to fight the Egyptians to deliver his people, isn't it? Il pouvait, il était à mesure d'aller prendre même une armée pour venir combattre avec les Égyptiens. But what could be the glory of God if he did it by his force? Not glory of God. Quelle sera la gloire de Dieu si Amen. Il faire ça avec sa force? Use only the stick. Amen. Amen. God used only the stick. Il a utilisé seulement to deliver the people in Egypt. Il a utilisé seulement les bâtons pour délivrer les gens. That is why God says what is impossible to human being is possible to God. Amen. C'est là la Bible dit, ce qui est impossible aux êtres humains. Alléluia. Only the small thing you have, God can make you become a businessman. Seulement les petites choses que vous avez, bien les petites choses que vous avez. Only more to buy. You buy the land. You buy even the cars. Only a small thing you are using. Avec scooter, Mister D, Uber, check as well. De pas acheter la personne. Only the small gifts God put in you. God can make you become rich because He gives the gift. By that gift, God bless you. Seulement avec un petit don qu'il a placé en vous, pouvez devenir très riche. Alléluia. Ce don-là. Only the small thing you are doing. By that small thing, God can make you become a great. Amen. Seulement les petites choses que vous faites aujourd'hui, Dieu peut les rendre grandes. Alléluia. Amen. Could you imagine the stick? God performed the miracles with the stick. Alléluia. Pouvez-vous vous imaginer vraiment un petit bâton? Et Dieu fait le miracle avec un bâton. Alléluia. Amen. Tu veux le vite? Pour vous cela. Et il faut. Oh. Quand vous savez que Dieu vous a envoyé faire une certaine chose et que vous voyez cela prospérer, il n'y a rien qui puisse les remplacer. C'est tout. Alléluia. Wonderful. Yeah. Et il faut. Oh, when you know God has sent you to do a certain something and you see it moving up there, there just ain't nothing can take it place. That's all. My brother, I was in Congo. God told me to leave my job every day to come to South Africa. I know it's Him who sent me. Amen. Whatever. Amen. Hallelujah. Amen. Nevertheless, anything, whatever I believe, who sent me here, have to take care of me. I have to make a way for me. Amen. Even if it's a problem facing, He has to make a way for me. I believe it. Hallelujah. Amen. Mon frère, ma soeur, j'étais là en RDC, là chez nous, au Congo. Là, je faisais mes histoires, occupé, mais j'ai. M'a dit de laisser toutes ces choses-là pour que je vienne les servir ici à la Côte d'Ivoire. Il connaît n'importe quoi qui peut m'arriver. Je crois qu'il prendra soin de moi. Now listen to the example of Brother Branham and we stop there. Listen to the example of Brother Branham, we stop there and we pray. Écoutons les exemples de Frère Branham et nous allons arrêter par là. Let us start with it. Commençons avec 86. 86. Alléluia. Amen. Amen. Je me souviens. Beaucoup parmi vous se souviennent de ce petit garçon qui fut donc ressuscité des morts. Amen. En Finlande. I remember, many of you remember, about a little boy being raised up in Finland. Après avoir été tué par une automobile. And then, from the dead, being killed by an automobile. Je me tenais là, au bord de la route. And I stood there on the side of the road. Et j'ai commencé à m'éloigner de cet enfant. And started to walk away from that child. Je me suis entouré. Et j'ai regardé en arrière. And looked back. Et quelqu'un avait mis sa main sur mon épaule. And something put its hand in my shoulder. Et je pensais que c'était un frère mort. And I thought it was Brother Moore. Mais il y avait personne autour de moi. And nobody was around me. You can go to read it up to 90.
pouvait aller lire jusqu'à Nona. Frère Branham, Brother Branham, Dieu lui avait montré une vision. God showed him a vision. Tu iras dans un pays. You will go in a country. On va écraser un enfant. They will hit the child. Et l'enfant sera totalement écrasé. And that child will be really totally. Alléluia. Et tu vas prier pour cet enfant là. And you're going to pray for that child. L'enfant va ressusciter. And that child will come to life. Après 2 ans. After 2 years. Frère Branham est allé à Finland. Brother Branham went in Finland. You know Finland, man? Et il a trouvé des gens attroupés là-bas. He found many people there. Il parle là. He goes there. Il voit un petit garçon là écrasé par la voiture. He saw a small child crashed. Amen. In the car. Et les sang coulait l'enfant. Oh, the blood was all over. Oh, on a mal pitié. Oh, Brother Branham had mercy. Il a retourné, il voulait partir. He turned back. He was about to go. Il a senti une main le toucher. Oh, he felt the hand touching him. Il est tout, il ne voit personne. When he's checking, he did not see anyone. Et le regard, il voit la montagne. What? Oh, when he looked, he saw the mountain. Non, j'ai déjà vu cette chose. Ah, I saw this thing before. Alléluia. Amen. Yo, wow, il y a 10 ans, il m'avait donné la vision de cette chose. Yes, 2 years later, or 2 years ago, he gave me the vision for this thing. Frère Branham a appelé les militaires. Brother Branham called military. Et il a dit aux gens. And he spoke to people. Aujourd'hui, today, si Dieu ne restit pas cet enfant, je serai un faux prophète. If God is not going to raise up this child, I will be the false prophet. Amen. Amen. Let us read 89. Lisons 89. Je dis, si cet enfant ne ressuscite pas de mort, 89. I said, if this child has not risen up from this, alors je suis un faux prophète. And I'm a false prophet. Je suis une fausse représentation de Dieu. I'm a misrepresentation of God. Car dans mon pays, for in the homeland, il y a 2 ans, 2 years ago, il m'a dit que ceci arriverait. He told me this would happen. Et tenait ses prédicateurs et tout. And told these ministers and all. C'est écrit sur page de garde de notre Bible. It's wrote on the fly leaf of our Bible. Et le voici exactement. Lisez sur cette page de garde. Et il est dit que ce serait dans un pays où il y a un amoncellement de rochers et tout. And here it is exactly. Read it off the fly leaf, how it will be. Qui serait tué? Country, happy rocks. Qui serait tué? And so forth. Be killed. Il s'est retrouvé sur le côté droit de la route. J'ai dit. And be on the right hand side of the road, I said. Le voilà, rien ne peut m'arrêter. That is, nothing can stop. La situation est déjà sous contrôle. The situation is already under control. Menti. L'enfant qui était dans mon cœur fut ouinté. The fact that was within my heart was anointed. Si seulement je pouvais expliquer cela. Oh, if I could only explain that. The faith that que was, j'avais en Dieu. I had in God. Qui m'avait dit. That told me. Cela m'a n'a jamais failli. And it never failed. Il m'a dit. Told me. La situation est maintenant sous contrôle. The situation is under control. Voilà exactement ce que je t'avais montré. Here is exactly what I showed you. Il y a 10 ans. Et tout se trouve là. 2 years ago. Exactement dans l'ordre. And yet it is like just. Tout ce que tu dois faire. The only thing you have to c'est do. Prononcer la parole. Is speak the word. Vous devrez prononcer la parole aujourd'hui. You have to pronounce the word. Vous devrez faire une déclaration aujourd'hui. You have to declare today. Alléluia. Prononce la parole. Pronounce et déclare à propos de quelque chose. And declare upon something. Et le petit garçon ressuscita des morts. Voyez-vous? And the little boy rose up from the dead. Et tous les soldats russes qui étaient là, ils ont fait garde d'avoir fait Branham. And all the Russian soldiers who were there, they salute Brother Branham. Les Russes ont dit. The Russian. Voilà le Dieu que nous cherchons chez nous. This is the God we're busy looking for. Alléluia. Our place. Les gens aiment voir un Dieu réel. People want to see real God. Alléluia. Amen. Nous allons faire la prière de Frère Branham. We're going to make Brother Branham pray now. Can you project it? On va faire la prière de Frère Branham. We're going to make. On va faire une déclaration. Amen. Amen. Et nous allons prier avec Frère Branham. 93. Go back to. Is it 59? Go back to 59. Is there this prayer? We have to do this prayer. Give him 4 October 1959. Why do I speak? Amen. Amen. Nous allons faire la prière de Frère Branham. Paragraph 1 in English. Give him that prayer. Quotation 238. Amen. Amen. Frère Branham va faire des déclarations. Il va dire, je déclare. Nous allons faire la prière telle que Frère Branham a fait. Brother Branham is going to declare, he's going to make declaration, he's going to claim. We're going to do the same as Brother Branham did it. Tout
3-8, né? Yes, to 3-8. Okay. That is the prayer of Brother Branham. C'est ça la prière de Frère Branham. Ah, laissez naturel, laissez naturel, si présent. Oh, 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 j'ai dans la chair. En français. Why cry speak for a turn? All of you, that's why you are sick now. We are praying this prayer of Brother Branham. If you have a problem, think about that problem now. Alléluia. Si vous êtes malade, you can stand up, raise up your hand, because this is declaration of Brother Branham. Si vous avez un problème, it's the angel of God talking now. À ce problème là, it's not a man who's talking now, it's the angel himself talking now. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est l'ange qui parle maintenant. Prions. Let us pray. Sur base de l'autorité de la parole écrite du Dieu Tout-Puissant. Upon the basic authority of the written word of Almighty God. Par l'évidence du Saint-Esprit qui est ici présent. By the evidence of the Holy Spirit who is here present. Qui connaît les secrets du cœur et qui révèle les secrets aux gens. That knows the secret of the heart
and reveals the secret to the people. En vertu de sa présence. Upon the presence of him. Sur base de la parole de Dieu. The basis of God's word. Je déclare chacun de vous guéri au nom de Jésus Christ. I pronounce each and every one of you healed in the name of Jesus Christ. Puissiez-vous partir et ne plus jamais être malade. May you go and never sick no more. Que Dieu vous bénisse et vous protège. And protect you. J'espère vous revoir très bientôt. Amen. Alléluia. Amen. I hope to see you very soon. Seigneur Jésus Christ. Lord Jesus Christ. Toi le Dieu de William Aron Branham. You God of William Branham. Toi le puissant conquérant. You the almighty conqueror. Le donateur de tous les dons excellents. The giver of all. Ah, Seigneur Jésus Christ. Oh Lord Jesus Christ. Tu passes. On the basis of this word, on the basic de ce message, of this message, on the basic de l'évidence de l'occurrence, of the evidence of the proof of je condamne I condemn le démon de maladie, the demon of disease, le démon de problème, the demon of blocage, drainage, pauvreté, chômage, homme de la mort, possibilité, condition sans cause, tous les démons qui dérangent cette église, qui dérangent tes enfants, your children, au nom de Jésus Christ. Je déclare la guérison, la délivrance, au nom de Jésus Christ, même ceux qui me suivent sur l'internet, qui ne reçoivent la même onction et le même résultat, au nom de Jésus Christ, je déclare votre guérison, je déclare votre délivrance, au nom de Jésus Christ, que Dieu vous bénisse. May God bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Frédéric, si tu veux venir. Thank you, Jesus. If you need a special prayer, you will come to tell me after change. Si vous avez besoin d'une prière particulière ou spéciale, vous pouvez venir me voir après l'église. Moïse, nous devons nous voir après l'église. Et c'est Christine aussi. Alléluia. Bugs, come to pray for me, for Joseph, and for Ornella. It's we are three birthday. Come. Il y a trois anniversaires, Frère Pax, Frère Gamma et Frère Dixon. Come to pray for Ornella. Vous allez prier pour le pasteur. Pray for them too. Vous pouvez prier pour eux. Okay, me, because 50, you have to pray for me. I don't moi aussi, like, 50 ans. I don't like, but because this is a special year. Amen. Je n'aime pas, mais comme c'est une année spéciale, je profite aussi de cette occasion pour qu'on puisse prier aussi pour moi. Mais you pray for number 50. Frère Pax, n'oubliez pas, pasteur, c'est pour 50 ans. Non, Joseph and Cornelia. Amen.